monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Shein et Primark. C'est parti mon kiki. Tiki 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 tiki. Dans les deux halls, il y a du matériel et du vestimentaire. Et chez Shein, il y a aussi pour ma fille et moi. Voilà. Tout simplement. Donc on va commencer par Primark. Voilà, c'est vraiment très léger hein, chez Primark. Voilà, c'est très, trois bricoles. Je me suis dit, je vais les mettre avec le haul de Shein. Comme ça, c'est fait. Et puis surtout, ça peut vous servir si vous avez un Primark à côté de chez vous et que vous n'y allez pas forcément souvent, ou même pas à côté de chez vous, mais qu'il faut vous déplacer. Je me suis dit, plutôt que vous déplacer pour rien, au moins déjà, vous savez que ça y est. Je cherchais justement des casques audio pour ma fille, puisqu'elle me disait, arrête maman, t'en achètes que pour Kenzo et pas pour moi. Donc je lui ai acheté et il y avait ce modèle là, donc avec micro hein, c'était obligatoire avec micro, et il était à l'initiale à 12 euros, et vous voyez il est passé à 6 euros. Donc c'est un petit modèle rose et blanc, voilà tout ce qu'il y a de plus simple, de la marque Primark Gaming. Donc voilà, c'est un casque gaming. Elle le voulait pour discuter avec sa copine sur WhatsApp. J'arrive jamais à le dire. Et du coup, bah, j'ai pris pour Sindel et également un autre pour Kenzo, qui lui fait beaucoup de gaming et qui me bouffe les casques. Je me suis dit, autant en prendre plusieurs. Donc, j'ai pris pour Kenzo et pour Sindel et même pour moi. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment il se présente. Là, on a celui de Kenzo avec le casque rabattable. Je vais dire 6 euros. Je vais vous dire, alors, c'est pas de la grande qualité, c'est pas non plus de grande performance au niveau du sound, mais ça suffit largement. Voilà, vous avez le volume ici, tout simplement, tout ce qu'il y a de plus basique, j'ai envie de vous dire, et le jack avec les trois pistes. Voilà, quand il y a trois pistes, là, trois T, hein, voilà, trois traits, c'est que c'est un casque avec micro. S'il n'y a que de T, il me semble que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de micro, juste du putain, le chien qui ronfle, on peut l'enlever. Voilà, et ma fille et moi, on a le même, celui-là, voilà. Toutes les deux, on est en girly, rose, kawaii, rose pâle, très fifi. Voilà, ça, aussi bien à elle qu'à moi, ça va. Ils sont réglables si jamais on a une grosse tête, mais voilà, comme j'ai une petite cervelle, j'ai un petit crâne. Et ma fille est en pleine croissance, donc elle est petite. Elle, c'est tout à fait normal, donc ça y va aussi à elle. Voilà, donc 6 euros le casque au lieu de 12. Très bonne économie, c'était très bien, j'étais ravie. Ensuite, je me suis pris deux petits hauts. À l'initiale, je voulais un haut bien spécifique, mais j'en ai vu un autre. C'est un haut pied de poule. Voilà, tout simplement ce qui me plaisait énormément quand je l'ai vu en rayon. Vous voyez, un petit pied de poule avec un petit col rond. Ça tombait par terre. Tout simplement avec des manches longues. C'est en élastane, donc voilà. Légèrement, mais alors vraiment très légèrement transparent. Vous pouvez mettre un petit haut comme ça, noir dessous ou blanc, c'est comme vous voulez. Voilà, moi j'aime bien ça à porter avec une petite jupe noire. Trop bien. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, bah écoutez, à tester quoi. Voilà, tout simplement, avec la jupe. Je l'ai porté chez moi, mais j'ai pas encore osé le porter dehors. On va voir. Mais vous verrez également que je peux le mettre aussi avec d'autres pièces de chez Shein, je vous en dis pas plus. Donc ce petit haut, j'ai couru après, en fait j'ai mis trois fois. Et il a fallu que j'aille trois fois chez Primark pour mettre la main dessus. Première fois que je le vois, waouh, trop beau tout ça, merde, j'ai pas ma carte bleue. Parce qu'en fait j'étais juste en accompagnement, j'avais pas ma carte bleue. Ah oui, je vous ai même pas dit le prix, il était à 4 euros en promo. Peut-être qu'il était à 9 euros pas en promo, mais là en promo il était à 4 euros, donc j'ai dit il me le faut. Je retourne à Primark une semaine après. Plus de haut pied de poule. Ah, j'étais trop triste. Je voulais vraiment ce petit haut pied de poule. Il n'y était plus. Bah, tant pis. Je retourne la fois d'après pour acheter les casques. Il y est. Ah, j'ai dit, j'ai ma carte bleue. J'ai le haut qui est en rayon. Je le prends. Et le dernier truc que j'ai pris chez Primark, c'est un petit haut. Tout ce qu'il y a de plus simple, de plus basique. Mais en fait, les basiques, j'ai remarqué que c'est ce qui me manquait. Je voulais un petit col roulé fin comme ça, élastane. Enfin, élastane, moi je dis élastane, mais... ouais, enfin, vous savez, le truc... voilà, coton et un peu... élastane, on s'en fout. Voilà, un petit haut comme ça. Je voulais un noir, et il n'y en avait pas. Mais il y avait ce petit couleur chair aussi que vous mettez, et on dirait que vous êtes à poil. Donc, j'aimais bien... Psh, le chat! Lola! J'aimais bien, je me suis dit pareil, avec une robe, avec une jupe, plutôt avec une jupe, ou un petit pantalon, c'était très bien. Et en plus... Il était à
1 euro, s'il vous plaît, hein, au lieu de 10 euros. Donc je me suis dit, pourquoi se priver? S'il y avait eu du noir, j'aurais pris en noir, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas, donc voilà. Maintenant, il faut que j'aille le mettre à laver et ce sera parfait. Voilà pour Primark. Bon, c'est des basiques, hein. Même le pied de poule, c'est un petit basique, mais voilà, il me le fallait. Je n'avais pas de petits basiques comme ça dans ma garde-robe. Ensuite, c'était vraiment une commande faite pour ma fille parce qu'elle veut faire du cosplay et qu'elle adore le cosplay. Le cosplay, c'est une, si vous ne savez pas, c'est une mode qui à l'origine vient tout droit du Japon, qui consiste à se costumer à l'effigie de son héros de manga favori ou d'anime favori, voilà. Et on a un festival manga qui arrive au mois d'avril sur Toulon, donc on va y assister, évidemment. Évidemment, c'est sûr et certain, c'est forcé. Donc, elle m'a dit, maman, je veux me cosplayer. D'ailleurs, je vous ai mis en post communautaire, même sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est par ici, en barre d'infos. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne, ça me fera hyper plaisir. Je vous ai mis plein de trucs comme ça sur le carnaval qu'on a fait ici dans notre ville. Et elle était cosplayée en goth Lolita. Allez, on va découvrir ensemble ce que j'ai pris pour répondre à sa demande. Alors, pour commencer, Sindel a choisi une robe noire pour son déguisement de goth Lolita. Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a une petite ceinture. C'est la ceinture qui va avec, je ne savais même pas. Sindel, ma fille, c'est, alors j'ai deux filles, c'est celle que vous avez vue sur la vidéo dégustation de chez Action, là, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, elle a pris une robe noire qui est très transparente. Je suis en train de voir. Ça, ce sera apporté avec un top. Et en bas, ouais, aussi transparente. Donc, un top et un collant bien... Ouh là là, oui, c'est très transparent. Bien, bien opaque. Donc, une robe comme ça, noire, avec des volants en bas. Voilà, qui fait tout à fait le type manga goth Lolita. Sur les manches, on est comme ça. Alors, c'est vraiment du tissu très très fin. Le prix, je ne le connais pas. Je vais peut-être avoir la facture, je vais vous montrer. Et le haut, c'est comme ça. C'est un petit peu ouvert, comme ça, un peu comme... Ouais, non, là, c'est parce que j'ai le micro, mais en V, on va dire, mais un V un petit peu plus profond. Et ce qui était marrant, c'est que, en fait, il y avait ce même genre de robe pour les mamans. Voilà, donc elle est ceinturée évidemment à la taille et avec, eh bien elle a reçu tout simplement la ceinture. Alors Sindel va pas rentrer maintenant puisqu'elle est au collège et après elle part chez son père, donc elle ne découvrira ça que dimanche. Et elle a la petite ceinture qui va bien en tissu. Donc, vous avez vu comme moi que cette robe était très transparente, je m'y attendais pas. Alors des fois, c'est le truc avec Shine, il se peut que, voilà, des fois, ça parte un petit peu en cacachouette hein, et que vous ayez des trucs un peu transparents. Voilà, et ça, on s'y attend pas. Alors pour aller avec cette robe-là, pour faire les goth Lolita, elles ont des robes un petit peu bouffantes. Donc, je lui ai pris un jupon. La robe, elle était à 12 euros de mémoire, hein, 12 euros, un truc comme ça. Et le jupon, c'est le moins cher que j'ai trouvé, il était à 5 euros et des poussières. J'arrive à me souvenir un petit peu des prix, donc... ça va le faire. Alors, s'il est trop large, mais il ne le sera pas, ça va. J'allais dire, s'il est trop large, je lui reprendrai et ferai un petit point, mais ça va. Donc là, au niveau du bouffant, on est très très bien. Vous voyez, c'est un petit jupon qui va se mettre comme ça, sous la robe, et qui va vraiment donner un côté bouffant à la robe. De toute façon, quand elle fera son cosplay, on vous montrera des photos, je mettrai sur Instagram et en post communautaire. Et je pense qu'on peut même le retourner, comment on appelle ça? Oui, ben non, mais en fait, j'avais pris l'envers. Voilà, comme ça, plutôt, c'est mieux. Et ça, c'est chouette. En fait, j'ai même pas besoin de faire de points. Il se resserre si besoin. Donc ça, c'est chouette. En fait, vous avez du tissu en dessous qui est opaque, hein, pour pas qu'on voit à travers, là, pour le coup. Et au-dessus, vous avez les tulles, plusieurs couches de tulle. Voilà. Donc après, il faut développer un petit peu pour rendre un petit peu plus bouffant. Mais voilà, ça va rendre, en fait, le bas de la robe bien bouffant comme on aime bien. Voilà, donc il faudra bien essayer. C'est chouette parce que je pensais pas que c'était terrible glam. Après, si c'est trop bas, pareil, je dis, je raccourcis pour que ce soit vraiment à la hauteur de la robe. Faut en fait que ça dépasse un tout petit peu de la robe. Faut voir. Après, il faut sculpter, hein, tout ça, voilà. Ensuite, pour continuer sa tenue de gothique Lolita. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que pour Sindel, il y a aussi pour moi.
Mais moi, je ne saurais pas cosplayer. Pour continuer son... Alors, Sindel, elle est marrante, hein, parce que moi, je sais comment on fait les doigts de Lolita. J'en ai dessiné beaucoup. C'est un truc que je cultive depuis des années. Donc, elle me dit, oui, mais moi, je voulais des chaussettes noires pour aller avec la robe, tout ça. Simplement, les chaussettes, c'était pas le même prix, les noires que les blanches. Et moi, ça m'arrangeait plus de prendre les blanches. Donc, j'ai pris des blanches. Elle me dit, oui, de toute façon, moi, j'aime pas les blanches. Elle commençait à me faire un cake. Et quand elle les a vues, avec leurs petites ondulations sur, ou alors sorte de broderie sur le dessus, et la petite fleur nœud comme ça sur le haut, elle m'a dit, mais en fait, c'est joli, quoi. Alors par contre, j'ai peur que ce soit un petit peu serré, vous voyez. Oh non, ça va. Donc voilà, alors ça montera pas très haut, hein. Ouais, je pensais que c'était plus haut que ça. Bon, on verra. Voilà, donc du coup, je lui ai pris deux paires de chaussettes que je vais un petit peu agrandir. Pour le coup, parce que je trouve que vraiment, elles sont un peu courtes. Pourtant, c'était montré sur des grandes pattes. Mais voilà, en fait, ça, ce genre de choses-là, il faut que ça monte au-dessus des genoux. Et là, concrètement, ça monte pas du tout au-dessus des genoux. Hein. Là, il y a déjà son pied à Sindel, elle fait du 36. Ça va aller tout juste en dessous des genoux. On verra bien comment on se débrouillera. Voilà, après, sinon, elle a quand même des paire de collants mais qui font juste au-dessus des genoux, donc on verra. Ensuite c'est pas tout, elle m'a commandé ça. C'est en fait une paire de d'oreilles de chat et un collier. Alors regardez-moi ça comme c'est mignon, regardez-moi cette mignonnerie, les petites oreilles de chat apportées comme ça. C'est trop beau. Je crois que c'est moi qui vais les porter. En fait, il va falloir que je fasse deux petites couettes avec un petit grelot et un petit nœud dedans. Oh, c'est trop beau. Il va falloir que je fasse deux petites couettes et que j'accroche ces oreilles de chat aux couettes. C'est trop beau. Oh putain, j'y crois pas. Donc voilà, elle aura des oreilles de chat avec sa tenue. Mais attendez, c'est pas fini. J'ai l'air con comme ça. Un petit collier à mettre devant, comme ça. Voilà. Comme ça, avec la clochette et le petit nœud. Attendez, je mets. Putain, Kenzo, regarde la dégaine. Regarde la dégaine. Kenzo, c'est quoi ça? Oh la gueule! Mon Dieu. Bon, bah écoutez, hein. Si ça lui plaît, hein. Elle va voir ça. Oh, ouais, alors toute la journée, tu tournes la tête en un ding-ding, ding-ding, ding-ding. Lola! Lola! J'attire le chat. Qui là? Viens, Lola! Tu viens? Non, bon, je vais essayer de. Je vais arrêter d'attirer le chat parce que en entendant les clochettes, elle me regarde comme ça. Puis elle commence à faire ça avec la queue. Genre, elle va me sauter dessus. C'est bon, calme-toi. Donc voilà ce que ça donne. Elle va être en joie. Moi, je vais enlever ça parce que franchement, là, la dégaine. Mais ouais, c'est mignon après sur les enfants. Mais voilà quoi. On va l'enlever, hein. Ensuite, Sindel a voulu... Alors, ça n'a rien à voir, hein. Mais elle a voulu des petits colliers comme ça, ras de cou. Alors, mine de rien, je préfère lui prendre chez Shine parce que quand on les prend chez Claire, ça coûte une blinde. Un collier, ça coûte 9 euros des poussières. Là, je ne sais pas combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colliers, 2,25 €. Vous voyez le délire? Donc voilà, je préfère lui prendre ici. C'est très bien, elle est contente. Voilà, pas me casser la tête. Ensuite, je lui ai pris une paire de LED pour sa chambre parce qu'elle veut mettre des lumières. Voilà. Donc, il y a pas mal, hein. Il y a... Ah, il n'y a pas de télécommande. Bon, après, moi, j'ai une télécommande. D'accord, bon, bizarre. Il y a le branchement comme ça, USB. Donc ça, on a les socles qu'il faut, c'est pas un souci. Et on a le rouleau complet comme ça, voilà. Alors après, ah oui, ça, c'est les trois. J'ai ce qu'il faut pour découper, faire des, vous savez, des tac, 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 là. Donc voilà. Après, j'ai plein de télécommandes aussi sur des trucs comme ça et ça fonctionne, hein, même si c'est pas celui qui est vendu à l'origine avec. À 3 mètres là-dedans. Ouais, 3 mètres. Et celui-là, je l'ai payé 6 euros et des poussières, je crois. Bon. Voilà ce qu'il en était pour Sindel. Bibi maintenant. Hein, parce que c'est bon, les gosses. Alors, moi,
Tout d'abord, je suis partie sur un basique. Ah, un petit basique assez simple. Bah, ce que je vous disais tout à l'heure avec Primark où j'ai pas trouvé, là j'ai trouvé un petit basique col roulé noir. C'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. Il était au prix de... J'ai plus les prix. Je ne sais plus, je vous le mettrai sur le côté. Mais bon, moins de... Oui, si, 3 euros. 3 euros et des poussières. Donc voilà, très très bien pour porter avec tout, avec les jeans, avec les shorts, avec les jupes, les robes, à partir du moment où c'est d'une autre couleur. Après, on peut faire un total noir avec un joli manteau de couleur, c'est très bien aussi. Mais ouais, voilà, je voulais un basique col roulé. Pas trop col roulé, gros col roulé, vous voyez, c'est vraiment un col roulé très simple. Donc ça, je suis super contente de l'avoir trouvé à ce prix-là. Ensuite, je me suis pris deux pièces. Donc ça, c'est les deux dernières pièces. Voilà. Il va falloir que j'ose. Je les voulais absolument. Mais est-ce que je serai capable de les porter? Je ne sais pas. Je me suis pris deux petits shorts. Alors, c'est des shorts printemps. Hein. Ils sont assez fins. Il va falloir que je les repasse. Ils ont l'air assez courts quand même. Je vais voir. Je ne sais pas si j'aurai le courage de les porter. Mais j'aime tellement avec une jolie paire de bottes, avec des collants opaques. Très joli, peut-être avec le haut, justement, couleur chair ou couleur... comment on appelle ça pied de poule. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est tellement joli. Voilà, mais après, je me dis, bon, t'as 43 ans, est-ce que pourquoi tu veux porter ça? Et voilà, on se pose des questions, des fois, les filles un peu cons, mais voilà, faut oser. Puis s'il y en a qui te traitent de pute parce qu'elles osent pas porter des choses comme ça, bah, tu te dis que tu les emmerdes. Parce que, de toute façon, il y aura toujours des réflexions que tu portes ou pas. Il y aura toujours des réflexions. Mais c'est pas par rapport au regard des autres, mais c'est plutôt moi, est-ce que je me sentirais. Et le deuxième, c'est celui-là. C'est pas tout à fait le même. Hein. Les boutons, là, ils sont plus serrés. C'est en pied de poule, encore une fois. J'adore ce motif. J'en fais pas de l'excès. C'est que ma deuxième pièce en pied de poule. Mais voilà, pareil avec... alors, celui-là, soit avec le haut couleur chair, soit avec le haut... comment on appelle ça? Je trouve pas mes mots. Le col roulé noir, parce qu'un total pied de poule, non, faut pas déconner non plus. Ou alors avec une belle petite chemise, je sais pas. Et toujours pareil, avec des bottes, pour pas trop montrer mes jambes. Mais voilà. Voilà. Avec un collant bien opaque. Derrière, on a cette petite fermeture-là, voilà. Bon, voilà. Moi, je l'ai trouvé très joli. Des jolis petits boutons dorés. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les boutons sur l'autre short, mais des jolis petits boutons dorés. Il y en a 6. Et là, c'est pareil. Il y en a 6. Mais vous voyez, ils sont plus écartés ici. Voilà. Et par contre, c'est le même système de fermeture. C'est tout pareil. Et avec les petits boutons ici. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, ils étaient à moins de 10 euros les deux. Voilà. Ouais, même 6 euros, je crois. 6 et 7 euros. Voilà. Mes deux pièces. Donc, est-ce que j'oserais les porter? Oui, parce que je les ai achetées. Mais en fait, c'est juste une question qu'il faut que je m'y fasse, tout simplement. Voilà, c'était comme les jupes. Est-ce que je vais reporter les jupes maintenant que j'ai perdu tout le poids que je voulais perdre? Voilà, c'est les questions que je me posais. Donc, oui. Donc, il n'y a pas de raison. Et puis, comme je vous dis, j'emmerde ceux qui m'insulteront, tout simplement. Voilà, c'était tout pour le haul Shein et Primark. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me ferait hyper plaisir. Et comme je vous le dis à chaque fois, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver soit en commentaire ou vous découvrir en tant qu'abonné. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.